السلام عليكم، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذه الحصة سوف نكمل بقية تمارين نموذج الامتحان رقم 1 لمادة الرياضيات بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية من سلك البكالوريا مسار دولي. إذا ليكزيرسيس نيميرو 2 دو ليكزامان نيميرو 1 دو ماتيماتيك بور لي زيليف دو دوزيام اني بكالوريا بيوف. Alors, cet exercice, on va traiter l'exercice concernant bien sûr la géométrie dans l'espace, l'hendesa al-fadaiya. Alors, l'énoncé de l'exercice, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct OIGK, OIGK, fi al-fada al-mansoub, fi al-fada al-mansoub ila ma'lam muta'amil mumandam mubashir. O I J K, on considère les points. N'attaque le noquet A de coordonnées 1, 2, moins 2. Le triplet de coordonnées du point A sont 1, 2, moins 2. Le triplet de coordonnées du point B sont 0, 3, moins 3. Le triplet de coordonnées du point C sont 1, 1, moins 2. Et le plan P d'équation cartésienne P, X plus Y, P. L'équation cartésienne x plus y moins 3 est égal à 0. La table A, mettons l'ihdatiyati ha 1, 2, naqs 2. La note B, mettons l'ihdatiyati ha 0, 3, naqs 3. La note C, mettons l'ihdatiyati ha 1, 1, naqs 2. Le niveau P, c'est le modèle d'Dicatia P, x plus y moins 3 est égal à 0. La première question de cet exercice, calcule la distance distance du point oméga de triple de coordonnées 0, 1, moins 1 au plan P. Ouhsoub mesefet un nocta oméga d'être l'ihlatiyat 0, 1, naqs 1 à l'oustawa P. La deuxième question, on déduit que x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2y moins 2y plus 2z égale à 0 est une équation cartésienne du sphère S de centre oméga de triple de coordonnées 0, 1, moins 1 est tangente au plan P, c'est-à-dire la sphère S est tangente, même celle du moustawa P. Il s'intige en x au carré, z y au carré, z z au carré, naqs itnan y, z itnan z, nous savons ça, il y a mu'adala di cartésienne al-falaka S. مركزها أوميغا صفر دكورتومي إحداثية مكلوت إحداثية صفر واحد تقص واحد ومماسة إذن الفلكة S هي مماسة للمستوى P. La troisième question 3.1 déterminer le produit vectoriel des deux vecteurs AP vectoriel AC حدد الجزء المتجه للمتجهتين AP متجه AC AP متجه le produit vectoriel الجزء المتجه للمتجهتين AB متجه AC واستنتج اون ديدوير كو لي بوين A B C نو سون با اليني واستنتج ان النقط A B و C غير مستقيمين داكور دونك بيان سور دون سيت اكزرسيس اون فا تريتي هاد ليكزرسيس هذا اون دو بارتي لا بروميير بارتي كونتيان 3 كيستيون 1 2 3 3 1 اي لا دوزيام بارتي Donc, on va traiter les autres questions, la suite de l'exercice dans la deuxième partie. Et en effet, juste à l'heure, nous avons donc, première des choses, on va garder les coordonnées. Les coordonnées du point A. Donc, on a les coordonnées du point A et l'équation cartésienne. D'accord? Voilà. On a l'équation ça, c'est les coordonnées du point A. Les coordonnées du point A sont 1 de l'équation cartésienne c'est x au carré bien sûr l'équation cartésienne du plan P c'est x
plus y moins 3 est égal à 0. D'accord? Et on revient sur le point oméga. Le coordonnée du point oméga, c'est 0, 1, moins 1. 0, 1, moins 1. D'accord? Voilà. Maintenant, on va répondre à la première question. Alors, pour la première question, calcule la distance. Ah, donc, un petit rappel. Donc, si on prend par exemple, soit, par exemple, d'une manière générale, un plan P, le plan P d'équation AX, le plan, donc, soit bien sûr le plan P, par exemple, d'équation cartésienne AX plus BY plus, plus C, Z plus D est égal à 0. D'accord? Donc, ça, c'est. Donc, P est un plan. Donc, le plan. Le moustawa P. Le plan P. L'équation cartésienne, d'une manière générale, AX plus BY plus CZ plus D. Sachant que A, B, C, D sont des réels, sont des coefficients qui appartiennent à R. Bien sûr, le vecteur. Non nul, le vecteur non nul de coordonnées, de triplet de coordonnées A, B, C, bien sûr, sachant que A, B, C, c'est différent de 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire N est un vecteur, donc bien sûr A, B, C, différent 0, 0, 0, donc N est un vecteur non nul. Alors le vecteur n, donc n est le vecteur normal et le vecteur moutégien mandamia est le vecteur normal, au plan, P, au plan P. Yani ان المتجهه n ذات الاحداثيات A, B, C علما ان A, B, C تخالف 0, 0, 0 اذا n هي متجهه غير منعدمه وهذه المتجهه n سابيل متجهه منضميه على المستوى متجهة منظمية على المستوى P على المستوى P d'accord bien sûr si vous voulez si on va traiter le plan P bien sûr si on va traiter le plan P donc si vous voulez si on a par exemple le plan P comme ça voilà le plan P d'accord voilà le plan P. Alors, le vecteur normal, au plan P, c'est ça. C'est ça le vecteur normal. Sachant qu'on a le vecteur normal. C'est ça le vecteur normal N. C'est un vecteur non nul. On a dit que non. Et forme un angle. Un angle droit. D'accord? C'est ça le vecteur normal au plan P. Alors, l'objectif. Donc, si on considère aussi. Si on considère aussi un point A, le point A dans l'espace E, de coordonnées XA, du triplé de coordonnées XA, YA et ZA, alors on demande, on demande de déterminer la distance, entre le point A, la distance du point A et le plan P. Donc, par définition, cette distance à quoi est égale? Donc, par définition, est égale à, c'est la valeur absolue de, en remplaçant, on a dit que, le plan P, l'équation AX plus BY plus CZ plus D est égale à 0. D'accord? Donc, en remplaçant
En remplaçant ici, pour déterminer la distance du point A au plan P, donc on met la valeur absolue, en remplaçant x par xa, c'est-à-dire c'est a multiplié par xa, c'est a multiplié par xa, plus b multiplié par y A plus C multiplié par Z A plus D en valeur absolue divisé par racine carrée de la norme des vecteurs normaux. Mandam Moutejer Mandamia, elle nous a appelé A au carré plus B au carré, plus C au carré. Voilà. C'est ça la distance d'une manière générale. Alors, pour déterminer la distance d'un point A au plan P, sachant que l'équation cartésienne du plan P, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, et A le point A de triplet de coordonnées XA, Y, AZA, donc la distance du point A au plan P, c'est la valeur absolue de A, en remplaçant A multiplié par XA, plus P multiplié par YA, plus C multiplié par ZA, plus D, valeur absolue sur racine carrée de A carré plus B carré plus C carré. D'accord? Donc on va appliquer le résultat. Donc, mais c'est un fait de notre A, on a le mot P, A, qui m'a A, XA, plus B, YB, plus C, ZA, plus D en valeur absolue, Moukassam à la jade de A aussi d'un Z, B aussi d'un Z, C aussi. Donc maintenant, on va déterminer la distance du point, on va déterminer la distance du point oméga au plan P. D'accord? Alors la distance, maintenant, on va répondre à la distance pour la première question, la distance du point oméga au plan P, à quoi égale? C'est exactement, si vous voulez, la distance, pour la première question, on a dit, la distance du point oméga au plan P, à quoi égale? C'est la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de le point oméga, c'est 0, 1, moins 1. En remplaçant x par 0, c'est 0, plus y par 1, moins z par moins 1. Pardon, on n'a pas z. On n'a pas z. Ici, ça, c'est 3. C'est pas z. Donc, on n'a pas z. Donc, c'est moins 3. Moins 3 sur racine carrée de 1 au carré. De 1 au carré. Plus 1 au carré. B, c'est 1. Plus c au carré, il y a 0 au carré. Voilà. On continuera le calcul. Je répète. On a l'équation cartésienne ou adrette décatée ou sur P. L'équation cartésienne du plan P. X plus Y moins 3. Ce n'est pas Z, c'est moins 3. Moins 3 égale à 0. Donc, en remplaçant X par 0, valeur absolue, bien sûr, d oméga P qui est égal à la valeur absolue, en remplaçant X par 0, Y par 1, on n'a pas Z. Donc, moins 3 en valeur absolue sur racine carrée de 1 au carré, plus 1 au carré, plus 0 au carré. On continuera le calcul, ça va nous donner valeur absolue de 1 moins 3, c'est moins 2. D'accord? Sur 1 plus 1, c'est racine carrée de 2. Ça va me donner ces 2 sur racine carrée de 2. Ça va me donner ces racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 2 sur racine carrée de 2. Ça va me donner quoi finalement? C'est racine carrée de 2. Donc, finalement, pour la première question, on a trouvé quoi? On a trouvé que la distance entre le point oméga de coordonnées 0, 1, moins 1 au plan P d'équation cartésienne x plus y moins 3 est égal à
Racine de quoi? Racine de 2. Voilà, on a répondu à la première question. Donc, essayez de refaire le calcul chez vous en appliquant un résultat. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, on passe à la deuxième question. On passe à la deuxième question. D'accord? Donc, maintenant, on va passer à la deuxième question. Pour la deuxième question, on déduit que x carré plus y carré est une équation cartésienne de la sphère. Sauf que nous avons dit que x plus y 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 plus Donc, bien sûr, pour la deuxième question, donc on a la chose suivante. Pour la deuxième question, on a le plan P et S, et la sphère S, sont quoi? Sont tangents. Sont tangents. D'accord? Yanni? ان المستوى بي والفلك اس متماستين c'est-à-dire عندنا الفلك اس مثلا la sphère s ça c'est le centre oméga d'accord le centre oméga ça c'est la distance ça c'est le plan p voilà le plan p c'est ça le plan p c'est ça le plan p donc bien sûr le point de contact ou bien ça c'est la distance c'est quelle distance là ça c'est la distance petite r c'est quoi petite r c'est le rayon de la sphère tu vois elle fait d'accord le rayon de la sphère tu vois elle fait d'accord donc elle est المستوى P والفلك S متماستين في نقطة واحدة. Sont tangentes. D'accord? Sont tangentes. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance. Donc on aura la distance. La distance entre le point oméga, le centre de la sphère et le plan P. La distance, c'est-à-dire quoi égal? Égal à petite r. Égal à le rayon de la sphère, égal à petite r, ça c'est par définition. Donc, puisqu'on a le résultat, ça va me donner quoi? Ça va me donner que, donc, puisqu'on a, on a dit que la sphère S est tangente au plan P, elle fait la KS, mais même celle de Moustawa P. Donc, regardez bien, elle fait la KS, mais même celle de Moustawa P, il y a le MSF, oméga ou Moustawa P, donc, elle dit, non, peut-être TMS, ça signifie mettre un H. Donc, on se met le point, donc, elle fait le Moustawa P ou elle fait la KS, Moutamès, Sini, ou Yata, Ata, Anfi, Nokta, Wahida, Yokta, Tamès, Bain, le Moustawa P ou elle fait la KS. Et donc, même là, elle fait le Moustawa P ou elle fait la KS, Moutamès, Sini, elle fait la KS, mais c'est le Moustawa P. Mais là, le MSF, elle fait le Oméga. Mais bien, Oméga, le Moustawa P, il y a le MSF, Oméga. Ah, ça, oui, je suis là. R sur le rayon de la sphère, je suis là, elle fait la KS. Le petit r, c'est le rayon de la sphère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, on a trouvé, d'après la première question, on a trouvé que la distance entre oméga et le plan P est égale à quoi? Est égale à la racine de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rayon de la sphère est égale à quoi? Est égale à la racine de 2. Donc, le rayon de la sphère est égal à la racine de 2. Donc, on a deux choses. Donc, pour déterminer, ou bien pour déduire l'équation cartésienne de la sphère, les kinestins, ils ont le moyen de décarter le félaka S, ils ont le moyen de décarter le félaka S, le centre de la sphère, le félaka S, ou le félaka S. Et donc, où est le félaka S? Le félaka S, et donc la sphère S, c'est quoi la sphère S? Donc, ça c'est pour la sphère S. Alors, la sphère S est définie par quoi? Est définie par oméga et petite r. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équation, alors l'équation
l'équation, المعادلة الديكارتية كارتيزيان كارتيزيان دو لا سفير اس اي اللي كومون اللي كومون comment c'est exactement x moins 0 à la puissance 2 plus y moins 1 au carré plus z moins 1 au carré est égal à quoi? Est égal à le rayon de la sphère au carré est égal à le rayon de la sphère au carré. En calculant l'expression, ça x moins 0, ça va me donner quoi? Ça va me donner x au carré plus y moins 1 au carré, d'accord? Plus z moins 1, ça va me donner plus 1 au carré. Et racine carrée de 2 au carré est égal à 2. D'accord? On continuera le calcul. Qu'est-ce qu'on obtient par la suite? On obtient la chose suivante. Donc, essayez de refaire le calcul chez vous. Ça va me donner que l'équation cartésienne de la sphère, c'est x au carré plus en développement de la quantité, ça va me donner y au carré. C'est une identité remarquable, y moins 1 au carré moins 2y plus 1. Plus, ça c'est une identité remarquable, c'est z au carré plus 2z plus 1, le tout est égal à 2. D'accord? Le tout est égal à 2. Ça va me donner quoi? En regroupant, c'est x au carré plus y au carré plus z au carré plus moins 2y plus 2z. D'accord? X au carré plus y au carré plus z au carré. Moins 2y plus 2z plus 1 plus 1. 1 plus 1, ça va me donner plus 2 est égal à 2. Donc, de le résultat qu'on cherche, on a démontré que l'équation cartésienne de la sphère, donc l'équation cartésienne de la sphère, S, c'est x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2y plus 2z. 2 moins 2, ça va me donner 0. Voilà l'équation cartésienne de la sphère S qu'on cherche. Bien sûr, de centre oméga, du triplé de coordonnées 0, 1, moins 1 et de rayon, petit r est égal à racine carrée de 2. D'accord? Sachant que le rayon de la sphère, on a démontré que le rayon de la sphère est égal à racine carrée de 2. Et le centre de la sphère, c'est le point oméga. Du triplé de coordonnées 0, 1, moins 1. Donc voilà l'équation cartésienne de la sphère S. Le mot est décartillé, il fait le cas S. Merkezoua oméga de Hiletietoua, Safra, Wahed, Naps, Wahed. Wa, Choua, Wa, petite R, il a la racine carrée de 2. Maintenant, on passe à la troisième question, déterminer le produit vectoriel AB vectoriel AC. Alors, pour déterminer le produit vectoriel AB vectoriel AC, on va chercher. Les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC. D'accord? On a besoin de A, B, C. D'accord? Voilà. Alors, pour le vecteur AB, troisième question, calcul ou bien produit vectoriel AB, produit vectoriel AC. Yani, je vous donne un TJ AB vectoriel AC. Premièrement, donc les coordonnées de AB. Il est dit que le TJ AB. Vous connaissez que les coordonnées de AB, c'est XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que les coordonnées de AB
100. XB moins XA. XB moins XA, c'est 0. Moins 0 moins 1. YB moins YA, c'est 3. C'est 3 moins 2. Z de B, c'est moins 3. Moins 2. Moins 2. D'accord ? Voilà les coordonnées de. Ça va me donner quoi ? Ça va me donner quoi ? AB. A pour coordonnées. Et il y a des AB. 0 moins 1, ça va me donner moins 1. Ça va me donner moins 1. 3 moins 2, ça va me donner 1. Et moins 3 plus 2. Moins 3 plus 2, ça va me donner moins 1. Voilà les coordonnées de AB. Donc les coordonnées de AB. Donc, en gardant les coordonnées de AB. Les coordonnées de AB, c'est moins 1. Moins 1, 1, moins 1. D'accord ? De la même manière, maintenant on va déterminer les coordonnées de AC. Alors les coordonnées de AC, c'est XC moins XA, YC moins YA et ZC moins ZA. Ça va me donner quoi ? Ça va me donner que les coordonnées de AC. De la même manière, les coordonnées de AC, c'est XC. XC, c'est 1. C'est 1 moins 1 moins 1. 1, YC, c'est 1 moins 2. 1 moins 2. Et ZC, c'est moins 2 moins 2. D'accord ? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ? Les coordonnées de AC, finalement, les coordonnées de AC. 1 moins 1, c'est 0. Ça va me donner 0. 1 moins 2, ça fait moins 1. Et moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc les coordonnées de AC, voilà les coordonnées de AC. Les coordonnées du vecteur AC, c'est 0, moins 1, 0. Maintenant, on va calculer le produit vectoriel. Alors le produit vectoriel de AB vectoriel AC. Donc, comment on va déterminer le produit vectoriel de AB vectoriel AC? Maintenant, le produit vectoriel de AB vectoriel AC. Donc, AB vectoriel AC, dont le repère orthonormé direct est égal à. C'est le déterminant. I, J, K, d'accord ? C'est le déterminant I, J, K. Ici, on va donner les coordonnées de AB, c'est moins 1, 1, moins 1. Ici, c'est les coordonnées de AC, c'est 0, moins 1, 0, d'accord ? Donc, pour déterminer le produit vectoriel, je vais le mot TJ. Je vais le mot TJ, le mot TJ est un AB vectoriel AC, le mot TJ AC. Donc, on a I, J, K. Les coordonnées de AB, c'est moins 1 selon I, 1 selon J et moins 1 selon K. Les coordonnées de AC, c'est 0 selon I, moins 1 selon J et 0 selon K. Ça va me donner quoi? Ça va me donner la chose suivante. On peut faire la chose suivante. Donc, on peut faire comme ça. C'est comme ça. Comme ça. Ça va me donner. C'est le déterminant. 1 moins 1. 1 moins 1. Moins 1. 0. Multiplié par I. D'accord ? Moins. L'autre déterminant. L'autre déterminant. C'est moins 1. L'autre déterminant, c'est comme ça. C'est moins 1 selon J. C'est moins 1, 0. Moins 1, 0. Moins 1, 0. Moins 1, 0. Moins 1, 0 selon J. Plus selon K. Selon K, on a la chose suivante. Selon K, ça
ça va me donner quoi sur l'enca? Ça va me donner ce déterminant-là. Ce déterminant-là, ça veut dire moins 1, 1, moins 1, 1, 0, moins 1, 0, moins 1. Je répète, on a, selon I, on a ce déterminant, c'est 1, moins 1, moins 1, 0. Et selon G, c'est déterminant, moins 1, 0, moins 1, 0. Et selon K, bien sûr, moins, donc on va faire, ça c'est plus, moins, plus. Donc c'est plus I, moins J, plus K. D'accord? Donc on a plus I, donc on a plus et on a cette déterminant, c'est ça. C'est 1, selon I, cette déterminant-là. Selon I, cette déterminant-là, c'est 1, moins 1, moins 1, 0. Selon G, cette déterminant-là. Selon G, cette déterminant-là, c'est moins 1, moins 1, 0, 0. Avec un signe moins, moins J. Selon K, c'est moins, selon K, on a, ça c'est moins K. Selon K, c'est moins 1, 1, c'est moins 1, 1, 0, moins 1. Plus K. D'accord. Maintenant, vous connaissez que X, Y, X, Y, bien X, X prime, Y, Y prime, X, I, J, X, Y, X prime, Y prime. À quoi égal? Est égal à X, Y prime, X, ça fois ça, X, Y prime moins X prime, Y. Donc on va appliquer tout ça ici, ça va me donner moins 1 fois 0, moins 1 fois moins 1, selon I. D'accord? D'accord? Plus, moins 1 fois 0, c'est 0. Moins 0 fois moins 1, c'est 0, selon J. Ça fois ça, c'est 0. Ça fois ça, c'est 0. Ça fois ça, c'est 0. Moins ça fois ça, c'est 0. Avec un plus, ça fois ça, c'est 1. Moins 1. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. Moins 0 fois 1, c'est 0. Selon K. Ça va me donner finalement, c'est quoi? 1 fois 0, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Avec un signe moins, c'est moins I. C'est moins 1 fois I. Plus 0 fois J. 1 moins 0, c'est 1. Plus 1 fois K. Ça m'a donné finalement, c'est moins I. Moins I plus K. Voilà le produit vectoriel. Le produit vectoriel de deux vecteurs A et B. C'est-à-dire finalement. Donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient finalement par la suite? On obtient que le produit vectoriel AB vectoriel AC à quoi égale? C'est moins I plus K. Voilà, c'est ça le produit vectoriel. En remarquant que moins I plus K, moins I plus K, c'est de coordonnées quoi? Cette vecteur, c'est de coordonnées moins 1, moins 1, 0, 0, 1. Bien sûr, différent, 0, 0, 0. Donc finalement, AB vectoriel AC, différent de 0, différent au vecteur nul. Donc il est comme le canadien pour le vectoriel différent de vecteur. On dit donc AB. Les deux vecteurs AB et AC, les deux vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Réellement, Stakimietin ne sont pas comment collinéaires. Il y a une Elmoutéjietin. Donc, les deux vecteurs AB et AC. Donc les deux vecteurs A, B et AC ne sont pas collinéaires. Elles nous TGT A, B ou AC, réponse à limité. Donc les deux vecteurs A, B et AC
علاش؟ لان الطول دو فيكتوريال لقيناه ديفيرون دو زيرو دو فيكتور في فيكتور دو ا بي فيكتوريال سي تي غالا موان 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 اي بلس كا ديفيرون دو سيدير دو كوردوني موان 1 0 1 دو كوردوني موان 1 0 1 ديفيرون دو 0 0 0 ديفيرون دو فيكتور نول دونك ا بي فيكتوريال سي ديفيرون دو فيكتور نول يعني انا المتجه برو دو فيكتور سي تان فيكتور دونك الجزء المتجه هو متجه اذا المتجه ا بي فيكتوريال سي تخالف المتجه المنعدمه وبالتالي فان المتجهتين ا بي و ا سي غير مستقيمتين غير ماذا غير مستقيمتين غير مستقيمتين دونك لي دو فيكتور ا بي ا سي نو سون با كولينير نو سون با كولينير غير مستقيمتين دونك غير مستقيمتين اذا النقط ا و ا اذا نستنتج ان النقط دونك لي بوين ا اي بي اي سي لي بوين ا بي اي سي نو سون با اليني غير مستقيمين دونك les points A, B et C ne sont pas alignés, ne sont pas alignés. يعني غير مستقيمين غير ماذا غير مستقيمين لان البرودوي فيكتوريال ا بي ا سي البرودوي فيكتوريال ا بي ا سي ديفيرون دو زيرو لان يعني انا المتجهتين ا بي و ا سي غير مستقيمين بالتالي ان النقط ا و بي و سي هي نقاط غير مستقيمين دونك اذا طلب منا نبينوا بان النقط ا بي سي و سي غير مستقيمين يكفي ان نبين ان الجزء المتجه للمتجهتين ا بي و ا سي يخالف المتجه المنعدم وبالتالي فان المتجهتين ا بي و ا سي غير مستقيمتين نو سون با كولينير اذا النقط ا و بي و سي هي نقط غير مستقيميه اذا سوف نتمم بقيه التمرين في الجزء الثاني في الجزء الثاني منها الجزء الثاني في الحصه القادمه ان شاء الله كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحصه اذا اعجبكم الفيديو قوموا بدعم قوموا ب دونك كنطلب انكم تبارطاجوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم لكي تعم الفائده للجميع ولكي تقوموا بدعم هذه القناه شكرا على حسن المتابعه واللقاء في حصه قادمه ان شاء الله.